Le Cameroun est engagé depuis plusieurs années à la production et à la distribution des aliments aux populations. C'est vrai que les régions du Cameroun sont multiples parce que le Cameroun a à la fois la forêt, la montagne, mais aussi le Sahel. Donc, dans les zones sahéliennes, nous avons beaucoup de difficultés parce que, en fonction de la pluie, la production peut changer. Et dans cet esprit, depuis plusieurs années, nous avons mis en place un office céréalier qui permet d'acheter les graines pendant les grandes récoltes et lorsque il y a des périodes de soudure, c'est-à-dire quand il y a des manques. On redonne ces graines aux populations pour éviter, pour limiter les problèmes de famine. Mais nous distinguons évidemment les problèmes de famine et les problèmes de nutrition. Parce que le problème de nutrition, c'est un problème de connaissance des aliments. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que ce qu'on mange est bon, surtout pour les jeunes enfants? Est-ce que les aliments qu'on donne aux jeunes enfants permettent que ces enfants puissent grandir, avoir une croissance qui peut être considérée normale. Et à cet égard, nous travaillons avec la FAO, nous travaillons avec l'UNICEF, nous travaillons avec le PAM, parce que c'est déjà un problème d'éducation. Donc nous avons, depuis plusieurs années, développé des formations pour que les familles, pour que les mamans qui alimentent leurs enfants sachent quel type d'aliments il faut leur donner. Mais pour revenir sur les problèmes de famine, comme vous savez, le Cameroun a reçu des mains du directeur général de la FAO le diplôme confirmant que le Cameroun a fait les efforts qui étaient convenus pour réduire de moitié le nombre de personnes qui souffrent de famine. C'était dans les engagements pour les objectifs de développement du millénaire. Nous l'avons fait, nous continuons à le faire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la production agricole soit faite pas seulement pour manger, mais pour qu'on gagne de l'argent. Et c'est dans cet esprit-là que si ce programme qui est mis en place par le gouvernement est mené dans les termes, c'est-à-dire normalement, d'ici quelques années, le Cameroun n'aura plus de problème de famine. Plutôt, nous aurons un problème d'abondance. Et à ce niveau-là, il restera comme challenge le problème de nutrition, parce que la qualité de l'aliment que nous mangeons sera un élément important pour que la production cible les types d'aliments qu'il faut produire pour toute la population. Oui, donc comme je disais, comme deuxième étape, nous avons déjà franchi l'étape des quantités, donc nous allons passer à l'étape de la qualité. La qualité voudrait que nous puissions savoir ce qu'il faut produire. Donc, vous savez que on mange beaucoup de maïs, on mange beaucoup de riz, on mange beaucoup de manioc, on mange les farineux. Mais en plus de ces farineux, il faut maîtriser la production des protéines. Et nous y travaillons, nous développons les capacités d'élevage de poulets, capacités d'élevage des porcs, capacité d'élever plus de vaches. Et pour ce qui est de l'amélioration, le gouvernement a décidé de développer la production des vaches laitières parce que nous devons être autosuffisants en production du lait. Vous savez que le lait est important dans l'alimentation des jeunes enfants. Donc d'ici quelques années, nous allons être un pays qui produit du lait et qui va permettre de satisfaire à l'alimentation des jeunes enfants. Évidemment, les autres aliments, tels que les légumes et les fruits,
sont à développer et ceci est dans le programme que nous allons mettre en œuvre dès cette année. Un programme qui va permettre de produire plus de fruits, plus de légumes. Et d'ici 2020, les statistiques pourront démontrer que nous avons amélioré aussi la qualité de ce qui est mangé par les populations.